Namasté! Bienvenue dans notre 7e émission de Zen et Rebelle. Amélie Paul, ma co-animatrice, bonjour! Bonjour Marie-Claude! Comment vas-tu? Marie-Claude Rivet! ça va bien? Ça va très bien! Oui! Hey, quelle émission incroyable aujourd'hui! Oui, c'est une émission chargée et à la demande générale. On reçoit encore une fois Annie Junot, naturopathe. Annie, naturopathe, hygiéniste du côlon et présidente de la Corporation des hygiénistes du côlon. Et en plus, propriétaire de la fameuse clinique Vitacru à Laval, sur le boulevard de l'avenir, que j'adore. C'est fantastique. Annie, il y a 2 semaines, on parlait des aliments poison pour l'alimentation, les aliments à proscrire à tout jamais. Mais là, on va faire le contraire. On va parler des super aliments, c'est-à-dire des aliments vraiment qu'il faut... je vais te laisser présenter... Privilégié. Privilégié à incorporer absolument. Mais en fait, je veux te laisser présenter c'est quoi les super aliments. Oui, mais avant de parler des super aliments, j'aimerais ça vulgariser pour que monsieur, madame, tout le monde comprenne. Okay. Tu sais, on parle beaucoup super aliments. Tu regardes des produits superfood. Hein, on dit c'est une mode, hein, une mode du quinoa, une mode de toutes sortes de choses. Mais en fait, les super aliments... Pourquoi on en a tant besoin? Je pense que c'est la question à se poser. Mm-hmm. Donc, pour revenir à expliquer les super aliments, je vais expliquer un petit peu ce qui se passe dans le corps. Donc, quand on est stressé, quand on mange pas bien, hein, quand on va dans nos aliments toxiques, la digestion, elle décompose mal nos aliments. Puis là, ça arrive dans nos intestins. Qu'est-ce qui se passe? Fermentation, putréfaction. Mm-hmm. Et là, ça produit quoi? Des acides. Ça, c'est ma façon... facile d'expliquer qu'on produit des poisons. Mais ces acides-là, dans le fond, comment ils s'appellent? Radicaux libres. On entend ça, oui. Bon. Des radicaux libres. OK, donc c'est ça que je voulais mettre au clair. Donc, les fameux radicaux libres, ce sont les acides que notre corps produit parce qu'il y a eu une mauvaise gestion. Et qui fait développer les maladies. Et quand on parle le vieillissement prématuré, les maladies, le cancer, etc. Maintenant, quand on a des radicaux libres, moi, je dis toujours que le corps est parfait. Hein? Mm-hmm. Tu le sais comment je dis que le corps ne fait jamais d'erreur. Il va tout faire pour neutraliser ces radicaux libres-là. Qu'est-ce qu'il va faire? 3 choses. Donc, il a besoin des vitamines et minéraux, dont les minéraux très alcalins, calcium, magnésium, sodium, potassium. Calcium, on en a beaucoup dans les os. Mais quand on est trop acide, le calcium, il sort des os, il s'en va en solution pour aller éteindre le feu là où on est trop acide. Donc, il n'est plus dans les os. Exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe en vieillissant? Et voilà, arthrite, arthrose, ostéoporose. Donc, il y a une déminéralisation de perte de minéraux. Donc, c'est pour ça que, excuse-moi Annie, mais tu sais, on parle beaucoup, beaucoup d'ostéoporose de nos jours et on le dit, hein, les personnes âgées, mais dès, je crois, 30-40 ans, là... Maintenant, je vois des cas à 25 ans au bureau. Mais c'est à cause de l'alimentation acide. Bien oui, donc on manque de calcium, mais c'est pas en donnant du calcium qu'on va régénérer tout ça. Non, il faut éteindre le feu. Il faut arrêter de produire ces radicaux libres. Il faut mieux digérer. Donc, je reviens à la base toujours. La source du problème, c'est qu'est-ce qui rentre, comment je digère, comment j'élimine, pour éviter de produire un surplus d'acide, surplus de radicaux libres. Ça, c'est la première étape. Deuxième chose que le corps va faire, bien évidemment, son rôle, c'est d'éliminer. Mm-hmm. Hein? Il faut qu'il élimine au plus rapidement. Mais s'il n'est pas capable d'éliminer ces acides-là, il va les stocker. Hein? Mm-hmm. Il va les isoler. Mm-hmm. Dans quoi? Dans les graisses. Donc là, les gens en graisse, se demandent pourquoi. Ben oui, le corps produit un isolant parfait pour aller stocker des déchets. C'est pas parce qu'on vieillit, là. Non. On va oublier ça, cette affaire-là. Bien, parce qu'on vieillit, c'est que nos organes se sont épuisés. Mm-hmm. OK? Et comme ils se sont épuisés, on gère de moins en moins bien, puis on change pas notre alimentation. Là, attends, parce que là, j'entends les nutritionnistes. Moi qui ai étudié en nutrition d'une dizaine d'années, moi, j'ai étudié le métabolisme de base, MC. Oui. Donc, là, moi, j'ai été enseignée en me disant, attention, à partir de 30 ans, le métabolisme de base de la femme diminue considérablement à chaque année. Donc, c'est sûr, il y a un vieillissement. Ton système digestif a 30 ans. Ensuite, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Mais si on avait vraiment donné ce qu'il fallait à notre corps dès le départ... On peut ralentir Donc, on peut... Puis on peut même régénérer. Moi, en tout cas, je vais parler par exemple... Je suis un bon exemple où moi j'avais une glande thyroïde complètement à terre à l'âge de 20 ans. À cause du stress. À cause du stress, à cause de mon alimentation, etc. J'ai pris le synthroïde pendant 10 ans. Aujourd'hui, j'ai 43 ans et je ne prends plus de synthroïde parce que ma glande, elle a repris sa force. Donc, tu as rajeuni. Et voilà, j'ai un système, mes organes travaillent mieux que quand il y avait 20 ans. Ouais. Pourquoi? Parce que
j'ai changé mes habitudes de vie. Donc maintenant, pour revenir à ces fameux super aliments-là... Ben oui, hein? Notre alimentation est de plus en plus pauvre. Là, et aujourd'hui. Voilà. Oui, parce qu'on mange raffiné. Donc, les super aliments, c'est la vie. OK? Je reviens encore à la cellule saine. La cellule a besoin d'oxygène, a besoin de vitamines, a besoin de minéraux pour bien fonctionner. Donc, si on mange cuit, si on mange gras, si on mange transformé, raffiné, eh où la vie, là? Nos vitamines, nos minéraux, c'est pas en donnant des vitamines sur les tablettes d'un magasin d'aliments naturels qu'on va reconstruire nos organes. Oui, on va peut-être aider à donner une certaine réserve, mais il faut réenseigner à notre corps comment bien processer toutes ces choses-là. Donc, les super aliments, ça veut dire quoi? Ce sont des aliments riches en antioxydants. Parce que les radicaux libres, on crée l'oxydation. Donc, ce sont des acides. Donc, c'est ce qu'on appelle le superfood? Oui, exactement. Donc, superfood veut dire « je neutralise mes acides ». Donc, riche en antioxydants. Les antioxydants, on parle des petits fruits, hein, le bleuet, la framboise, les fraises, en fait, tous les végétaux. Mais les aliments anti-cancer. Voilà. Le Dr. Béliveau en a parlé dans ses livres. Mais c'est quoi qui revient tout le temps? C'est les fruits et les légumes. Exactement. Okay? Moi, je pourrais aujourd'hui parler juste de généralité. Manger des fruits et des légumes, vous allez être rempli d'antioxydants. Parce que c'est là qu'on les retrouve. On peut aller en détail en expliquant il y en a un qui fait ça, il y en a un autre qui fait ça. Oui, on peut aller vraiment dans le noyau spécifique, dans l'aliment. Mais en règle générale, ce sont les végétaux, OK? Les fruits et les légumes. Il ne faut pas mélanger superfood ou super-aliments. Parce que moi, j'ai une cloche qui me sonne. Je me dis à la maison, les gens s'en vont à l'épicerie. Oui. Ils voient les jus qui sont additionnés de vitamines. Hein, tu me vois venir. Non, pas ça. T'as les jus maintenant qui ont plus de fibres, qui ont mis des fibres dedans, des vitamines et tout ça. C'est pas ça là, qu'on parle. Non, moi, je parle de super aliments, superfood. C'est ça, mais... Donc, l'aliment entier, OK? Un exemple simple, les petits fruits, OK? Je vais parler du bleuet. Le bleuet, c'est un petit fruit extrêmement riche en antioxydants parce que dans la famille des antioxydants, on appelle les phénols, OK? Tocophénol, il y en a le flavonoïde, l'acide citrique, j'irai pas tout dans les détails. Ben c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les antioxydants, mais il y en a qui en ont plus. Oui. OK? Bêta-carotène, ils sont plus concentrés. Et voilà. Bon, c'est ça les super aliments. On peut en nommer Oui. Bon. Mais baie de goji, ça doit rentrer là-dedans. Oui, baie de goji, c'est un fruit... Goji. OK. ça a poussé en Himalaya. Extrêmement riche en vitamine C, mais aussi en protéines. OK? Il ne faut pas oublier que nos sources de protéines sont aussi dans les fruits, dans les légumes. C'est bon pour les végétariens. Mais oui, mais celui-là, il y en a vraiment beaucoup. Donc, on va le privilégier dans les salades, dans les smoothies. Puis, je tiens à souligner que les superfoods, ils sont entiers. Ce n'est pas des extraits d'eux, là. C'est bon, séché. C'est bon, mais puis on les réhydrate dans de l'eau. Si, donc c'est facile comme des cicandères. Les baies de goji, j'aime pas vraiment. Ça, mais dans les smoothies, ça paraît plus. Là, on s'en rend pas compte. Puis il y a plusieurs super aliments que j'aime pas. Je veux juste les nommer rapidement. Vas-y. Ouais, parce que le temps passe. Oui, vas-y. Donc, chlorella, donc protéine. La chlorelle. Okay. C'est des algues. OK. Les algues, ce sont des phytoéléments incroyables. Les produits de la mer, les légumes de mer. Désintoxiquer le corps, amener de l'oxygène, riche en chlorophylle, riche en protéines. Parfait. Aliment parfait. Toutes les algues marines. Oui. Graines de chanvre. Oui. On en a ici. Protéines. À mettre dans les smoothies, les céréales. Oui. Les salades. Salades, smoothies. Ça, j'en prends. Ça remplace la viande. Tu sais, on cherche des fois des trucs faciles. Ça, c'en est un. Donc, si vous ne savez pas où le mettre, là, vous le mettez dans votre smoothie. C'est réglé. Oui, c'est ça. Le gingembre. Oui. Cayenne. Oui. On parle de belles racines. Oui. OK. Gingembre, pour en parler, juste celui-là. Moi, je l'utilise tous les matins. Je fais un genre de potion magique. Mais le gingembre, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il active le métabolisme. Ah ben oui. OK? Puis il améliore l'écoulement de la bile. Donc, ça va aider beaucoup le foie à mieux travailler. Parfait. J'en ai un peu dans mes jus de légumes, moi. Très bon. Excellent. Jus, ça donne un bon petit goût. La cayenne. Oui, active la circulation sanguine. Ensuite, j'ai le maca. Et ça, j'ai parlé à mes élèves de yoga qui regardent mon rire parce que le maca, moi, j'ai commencé à en prendre puis je vois vraiment une différence au niveau de mon énergie. Puis là, tout le monde a acheté du maca dans mon studio. Je vous jure, j'ai trop parlé de ça. C'est vraiment drôle. C'est une
de racine, OK? Oui. Mais une racine extraordinaire. Pourquoi que ça travaille beaucoup au niveau du système hormonal, au niveau de l'énergie? Parce que ça nourrit les surrénales. Voilà. Les surrénales, glandes endocriniennes, qui est tout le temps sollicitée par le stress. Ah ouais, alors, quand on les nourrit, on est plus calme. Ah, mon Dieu! Et voilà, ben c'est ça. Ben oui, parce que les surrénales travaillent au niveau du système hormonal. D'accord. Cacao cru. Oui, riche en antioxydants. Tu sais, les barres de chocolat, parce qu'il y a du cacao, ça ne veut pas dire que c'est bon, là. Ouais, OK? Ouais. On parle de cacao cru, 100%. Mais on peut aller au pire, chocolat 85 okay. Ça existe. Ça existe. Ici, ouais, antidépresseur, là. Oui, aussi. Donc, c'est bien pour ça. Mesquite. Oui, pas ça. Oui, mais c'est un fruit, oui, mais c'est un fruit, encore une fois, qui est un fruit péruvien. Il y a beaucoup de produits qui viennent du Pérou. C'est fou, hein? L'Amazonie hein, est remplie de richesses. Mesquite, vendu en poudre, okay. séché, okay. encore une fois. Prana, on en a. Oui, oui, on en trouve partout maintenant, même dans les grandes surfaces. On met ça dans un smoothie, on peut saupoudrer ça dans une salade. Pollen facile. D'abeille gelée royale. Oui. Ça date les de longtemps. Oui, mais ben, là, regarde, j'en ai apporté ici. Mm. C'est des petites granules que nos abeilles ont confectionnées pour nous, ou en fait, qui ont récolté au niveau des fleurs. Tout ce que les abeilles ont transformé, ils l'ont comme adapté pour nous, l'être humain, et c'est vraiment un aliment complet qui est un reconstructeur pour on le a corps. Tout dans la nature, c'est incroyable. Oui. C'est incroyable. Écoute, ça t'enfile parce que je veux juste terminer. Oui. Donc, on a ensuite le chia. Oui, bien là, on parle de fibres. Tu sais, on peut aller plus loin. Graines de lin. Ce sont des fibres qui aident à nettoyer notre plomberie, la chlorophylle, des jus d'aloès. Chlorophylle, t'as-tu une suggestion pour nous dans quoi mettre ça? Parce que c'est de l'eau? Dans de l'eau? Bon. La chlorophylle, là. La chlorophylle, là. Pour finir avec la chlorophylle, ça, c'en est un super aliment facile. On met ça dans de l'eau, ça amène de l'oxygène, ça purifie notre sang, ça l'éclaircit. Dans de l'eau à tous les jours, une bonne façon de boire de l'eau parfait. Et de s'hydrater. Écoute, Annie, tu reviens tantôt. À la fin de l'émission, on va faire le smoothie live ensemble. Donc, un smoothie de super aliments. C'est bien? Excellent. Un super smoothie. Merci. À tantôt. Ça me fait plaisir. Rendu avec Marie-Alice Depestre. Bonjour Marie-Alice. Bonjour Marie-Claude. Comment vas-tu? Bonjour Amélie. Bonjour. Ça va super bien. Je suis tellement contente de vous parler d'une solution que plusieurs gens recherchent. Oui. OK. C'est d'avoir un plan B. Est-ce que t'en as, toi, un plan B? ben, moi, j'ai des C. C'est D. Parle-nous du plan D, B. Oui. Mais plus dans le sens, pas un autre plan de carrière, mais un plan pour arrondir les fins de mois, peut-être graduellement changer de carrière, justement. Oui, exactement. Avez-vous remarqué que la plupart des gens qui ont beaucoup de temps n'ont souvent pas assez d'argent? Ceux qui ont beaucoup d'argent n'ont pas de temps. Oui. On recherche à avoir une vie balancée. Aussi... Ah oui? Pourtant, moi, c'est le contraire. Il me semble que j'ai pas beaucoup de temps et j'ai pas d'argent. Ça, c'est le pire, là! Tu peux pas avoir pire que ça, Marie-Claude. J'ai une solution pour toi! Oui! Quelle est la solution? Je vais écouter attentivement, alors. Oui, donc, en fait, c'est pas juste moi qui la recommande, mais des personnes comme Warren Buffett. Nul autre que oui. Oui, le multibillionnaire qui recommande, en fait, l'industrie du marketing de réseau, la vente directe pour une solution. Les gens de Monsieur, Madame, tout le monde veut une solution pour avoir une autre source de revenus. Qui peut égaler ou surpasser le revenu actuel avec le temps. D'accord. Et également, qui peut offrir plus de choix de liberté, tout simplement parce que ben, c'est avec l'argent que ça se fait, c'est pas... En fond, ce qu'on recherche, c'est vrai que c'est la liberté. Tu sais. La liberté. La liberté s'offrir plus de luxe, plus de vacances, de voyage, des voyages. Passer du temps avec nos enfants. Exact, oui, c'est ça. Ben oui. Okay. Donc, j'ai apporté un CD ici, ça c'est Dr. Charles King, S'enrichir brillamment, qui explique vraiment l'industrie du marketing de réseau. Les gens disent « Ah, c'est peut-être une pyramide, c'est quoi ça, cette affaire-là? » Il y a toujours quelqu'un au top qui en profite des autres. Mais en fait, c'est comme si tu prenais une pyramide puis tu la mettais à l'envers. Que tout le monde commence au bas, mais peut arriver avec l'effort et le temps au succès. Il n'y a pas de limite au top, comme on dit. Ouais. Mm-hmm.
Parfait. Oui, et c'est enseigné aussi, ça vaut la peine de le dire, aux universités, Concordia, HEC, Harvard. Ah oui. Le marketing de réseau comme un mode... En business, en entrepreneurship. Et on appelle ça souvent des intrapreneurs parce que tu travailles dans un cadre d'une entreprise qui existe déjà, comme franchise, mais niveau... Petit niveau à la maison. Donc, tu n'as pas de gros frais de... Microcosme, là, dans le fond. Microcosme franchise. Donc, c'est l'intrapreneurship. Et tu as tout l'avantage d'une grosse compagnie comme le marketing, les produits. Tout est déjà préparé pour toi, la distribution. Tout ce que tu as à faire, c'est d'en parler, de les partager. Comme vous savez, c'est avec Arbonne que moi, j'ai choisi d'opérer. Ouais. Et c'est vraiment une solution pour monsieur, madame, tout le monde, n'importe qui. Moi, j'ai des hommes, des femmes de tous les milieux qui font ça. Aussi, j'ai apporté un CD qui s'appelle « Effectuer la transition donne un peu, comment je dirais ça, l'esprit d'entrepreneur. Essaye de développer, à la place d'avoir un esprit d'employé, qu'on échange du temps contre de l'argent. C'est souvent ça qu'on se dit, hein? Oui, mais moi, je ne suis pas bonne là-dedans, je ne suis pas entrepreneur. Donc, il faut changer cette mentalité-là. Oui, de savoir que c'est possible pour n'importe qui de changer leur vie, que ce soit un petit pas, un autre petit pas, un gros pas. Marie-Alice, il reste 30 secondes, juste que tu nous dises... Si on veut démarrer notre propre entreprise chez Arbonne, donc on te contacte? Oui, on me contacte. Je vais revenir pour en parler un peu plus longuement la semaine prochaine. Parfait. Oui, avec plaisir. Mais effectivement, on travaille en équipe. D'accord. On a beaucoup de support. C'est toi qui nous supportes personnellement? Oui, oui! Oh, mon Dieu. Mais en plus, avec Arbonne, mais c'est des bons produits de qualité. On fait du bien aux autres. Fait. On ne pollue pas la planète et on fait de mal à personne. Oui. Donc, merci beaucoup, Marie-Alice. À la semaine prochaine, on poursuit avec ça. Ben oui, oui ça. Avec plaisir. Merci. Merci. Nous sommes de retour avec Annie Junot pour faire notre smoothie de super aliments. Oui. Donc, je te laisse aller avec la recette. En fait, c'est une bonne façon pour commencer le petit déjeuner. Le déjeuner. Hein, souvent, on ne sait pas tout quoi manger. On mange toujours du pain, des toasts. Mais une belle variante et une belle façon d'intégrer nos soupes. Le superfos. Déjeuner. Voilà. Sinon, c'est un peu compliqué. Oui, oui, ben oui. Donc, je parlais dans les autres émissions, on change le lait pour un lait d'amande. Lait d'amande, tout le monde. Oui. Le lait de vache, on oublie moi, ça. Moi, je vais dire les quantités après. Donc, je mets du lait d'amande. Puis, j'ai essayé de trouver quelque chose de facile que tout le monde peut se procurer. Des bleuets congelés, hein, ça existe. Donc, une tasse à peu près. Fait que c'est bon quand même, bleuets congelés. Oui, okay, oui, je pensais oui. Que j'allais dire non, oui. Non, on oublie ça. Baies de goji, ce que j'ai fait, c'est que je les ai faites tremper dans un petit peu d'eau et j'ai rajouté du pollen d'abeille là-dedans. Comme ça, mon pollen d'abeille a fondu dans l'eau. Fait que j'ai mes baies de goji qui ont toutes réhydraté. Je peux en prendre une? Vas-y, vas-y. Non, mais j'ai jamais goûté réhydraté. C'est-tu mieux comme ça, réhydraté? Oui, parce que dans le smoothie, c'est pas séché. Donc, il va avoir une belle émulsion. Bon. Ça va être tellement meilleur. OK. Ça a une belle couleur. Oui, doré. Et là, j'ai graines de chanvre. J'ai mis du maca. OK, racine de maca. Puis j'ai mis mes algues. Okay. Ça, là, c'est des légumes de mer extraordinaires. J'ai autant la chlorelle, la spiruline, des algues d'eau douce, des algues marines. Ça, c'est un mix? Oui, c'est un mélange? C'est mon produit fétiche que moi, j'utilise à la maison. Et j'en ai mis dans le smoothie. D'accord. On peut en commander chez toi, Oui. Fait que je mets... Les téléspectateurs, si vous en commandez, on va mettre les infos... Parfait. Donc, j'ai des protéines. Hein? On cherche des protéines. Donc, c'est des belles protéines végétales, graines de chanvre, maca et algues. Ouais. Donc... Je vais nommer. Est-ce que je dis tout de suite les ingrédients? Ou je te laisse le faire? Parfait, je vais faire ça tranquillement. Mais là, on ne peut pas faire les deux en même temps. Fait que, Moi, je le mets à ice, si t'es capable. Voit la chlorophylle prend pas mal toute la couleur. Oui. Ce que j'ai
j'ai mis une tasse de bleuet surgelé, une tasse de lait d'amande, une cuillère à soupe de baie de goji trempée, une cuillère à soupe de pollen d'abeille, deux cuillères à soupe de graines de chanvre, une cuillère à thé de chinousa, qui sont des algues. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave. En fait, là, tout ça, là, amusez-vous. Là. Une cuillère à thé de maca, une demi-cuillère à thé d'essence de vanille. J'aime le petit goût vanillé. Oui, si on veut un goût de chocolat, on peut mettre du cacao cru. On peut varier. Du caroube, peut-être? Du caroube. On s'amuse. Bonne hein? C'est une suggestion. Du sirop d'érable, des fois, peut-être. Si on le veut plus sucré. Moi, j'aime bien ça sucré. Ou du miel. Cheers. Hey! Cheers! Santé! Santé! Oui, c'est vrai, dans les yeux. Santé! Nous, on ne boit pas de l'alcool, on boit des smoothies oui. super aliments. Très bon. Écoute, non, mais... Oui, c'est super bon. Non, mais... On goûte pas la poudre, on goûte pas des algues. Mais tu sais, on peut rajouter quelque chose de plus velouté. Tu peux mettre du tofu soyeux, tu peux mettre des bananes, tu peux... Moi, je l'ai fait straight, parce que moi, je suis habituée à des goûts très simples. Ouais. Mais on peut le varier, s'amuser. C'est fini, c'est doux, là. Doux. Oui. Moi, je trouve ça super bon comme ça. Comme je me connais, j'aurais peut-être mis un peu de sirop d'érable, sirop d'érable bio. Oui, parce que là, moi, j'ai pris un lait d'amande original. Ah oui, avec du lait d'amande à la vanille. À la vanille. Mais c'est mais très bon, pas que c'est sincèrement. Trop sucré, toi, le lait d'amande à la vanille. Je reviens toujours encore sur le moins transformé possible. Ouais. Donc, les aliments toxiques, j'y reviens, c'est toujours le sucre. OK, le sucre, le café, tous les détails, mais le sucre fermente dans notre corps. Donc, on veut continuellement éviter d'amener un surplus de fermentation. Donc, ce que tu dis, les laits d'amande à la vanille ou les laits de soja ben à la vanille, oui, parce qu'il y a trop de sucre. Exactement. On est mieux de prendre nature puis rajouter un petit peu de sirop d'érable. Ça, c'est tellement mieux. C'est parce mieux. Que là, on okay. reste dans l'aliment ou, entier ou toujours. Ou des gousses de vanille fraîche. Aussi, mais ça, tu ne donneras pas ton goût sucré. Moi, je dis dans les sucres naturels, miel, sirop d'érable, puis il y a un sucre granulé qui existe qui s'appelle Sucana, qui est le sucre de canne entier. D'accord. Qu'on peut rajouter là-dedans pour quelqu'un qui aime des goûts plus sucrés. Merci Annie, encore une fois! À votre santé, maman! Aujourd'hui, je veux qu'on reste au sol. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se lève le matin? On a des questions de nos téléspectateurs qui sont courbaturés, raides le matin, surtout l'hiver, tout ça. Donc, on va faire ça tranquillement. Ça okay. vous dit? Oui, excellent. Parfait. Alors, c'est très, très, très doux comme yoga. On va tasser les coussins. Tu vas t'allonger sur le dos. D'accord. Dans le fond, moi, je vais te guider, d'accord, pour montrer bien j'avais les... pas pensé au micro. Je vais le tasser un petit peu comme ça. Parfait. Alors, OK. Je m'allonge. On est allongé dans notre lit. Tout ce qu'on a à faire, c'est ramener, par exemple, le genou gauche ou droite vers la poitrine. Émilie, prends tes deux mains, viens te tenir Émilie, ici. Oui. Amélie, excuse-moi, chérie. Pousse avec ton pied là, de l'autre côté, pied comme... flex. Pousse comme avec ça. Ton talon. Garde ta tête au sol. Tu expires, tu tires ton genou vers toi. Et inspire, on change de jambe. Tu expires, tu tires à nouveau ton genou vers toi, toujours en poussant bien l'autre jambe avec le pied flex. Encore une fois. Alors, j'inspire, facile. En fait, en changeant de jambe. Lorsque tu changes de jambe, vous inspirez. Okay. Et lorsque vous tirez le genou vers la poitrine, vous expirez. Ensuite de ça, on garde la même jambe, par exemple, la main contraire au genou, genou gauche, main droite. L'autre bras est allongé sur le côté. Et tout ce que tu as à faire, c'est d'amener ton genou vers le côté opposé. Voilà. Tu vois, ça vient tirer ton arc sciatique et ton bas du dos. Même chose de l'autre côté. On termine avec ça. Alors, facile, dans votre lit, essayez ça. Tout ce que ça fait, c'est d'étirer, de huiler votre machine pour vous lever le matin. Ça commence bien la journée. À bientôt. Namasté. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis encore aujourd'hui. C'était la fin de notre 7e émission de Zen et Rebelle. Merci, Amélie. Merci à toi, Claude. C'est un amour, comme d'habitude. Ben oui. On a du plaisir ensemble. Oui, c'est le fun de travailler avec toi. Merci beaucoup à nos invités de la semaine, la naturopathe et hygiéniste du colon, Annie Junot, ainsi que Marie-Alice Depestre des produits Arbonne. Merci beaucoup à Alain Huppé à la réalisation. Manon Lemieux pour la recherche et la coordination. Et nos caméramans adorés, Daniel et Pascal. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions,
commentaire, quoi que ce soit, ça va nous faire plaisir. Vous pouvez nous communiquer par téléphone 450-973-8005 ou par courriel à info@commercialtvrl.ca. Sur Facebook également, mon Facebook à moi, Amélie Paul ou Marie-Claude Rivet. Je vous invite également à aller voir le nouveau site web de la TV de Laval. tvlaval.com, tout simplement. C'est tout nouveau. Vous allez voir, c'est magnifique. Puis il y a toutes les émissions. Oui, allez cliquer là-dessus pour nous encourager, voir toutes les émissions antérieures également. Oui, c'est ça. Donc, si vous venez juste de regarder Les Années Rebelles pour la première fois, ben allez-y pour voir nos autres émissions pour enrichir votre vie et améliorer votre santé. Et je vais terminer rapidement avec une petite citation, comme d'habitude. Alors, le principal, c'est les valeurs spirituelles, la foi, la vigilance, la famille, les amis, la vie. Mm-hmm. Mais l'appât du gain, la richesse, les plaisirs matériels nous fascinent tellement que le principal reste toujours de ce côté. Ainsi, nous épuisons notre temps ici-bas et nous laissons de côté l'essentiel. Les trésors de l'âme. Ah, c'est beau. Merci, Marc-Claude. Ah, merci, Amélie. Namasté et rock'n'roll, côté rebelle. À la semaine prochaine, tout le monde. La semaine prochaine, très bonne émission.